Cette vidéo Oui Basket TV vous est présentée par Métamorphose, créateur de sites internet pour les petites entreprises qui veulent grandir. Oui, il y a de la crispation. Après, il y a aussi que Nantes est très bien rentrée dedans. Elles ont mis leur shoot, elles n'ont pas hésité, elles ne se sont pas posées plus de questions, alors que nous, on a hésité sur nos tirs. Quand on hésite, on sait que c'est compliqué aussi de les marquer. Donc c'est vrai qu'on a eu du mal à rentrer, mais c'est aussi Nantes qui a fait en sorte de nous rendre la tâche beaucoup plus difficile. C'est pas l'agressivité qu'on avait, c'est surtout qu'on mettait nos tirs. Et puis en face, c'est quand même pas des lapins de 3 semaines, donc ils se sont un petit peu adaptés. Donc l'explication, vous l'avez. Voilà, nous, on est moins adroits, puis eux défendent un peu plus. On a quand même joué, sincèrement, c'est une belle équipe. Hein. Il manque une joueuse en plus, hein, une américaine, qui va avoir un rôle majeur. Nous, on a essayé de faire un petit truc qui a pas trop mal marché, mais apparemment, non, pas assez. Donc voilà, c'est la vie. Mais je suis plutôt. Sincèrement, je ne voudrais pas rentrer dans les lieux communs. Mais il faut quand même savoir que cette année, on a quand même une joueuse en moins par rapport à l'année dernière. Aujourd'hui, on avait encore une joueuse en moins et qu'on a joué les yeux dans les yeux. Donc ça prouve que, sincèrement, je suis hyper fier de mon équipe et elles m'ont bluffé.